Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le concours de blagues numéro 3. Hein, ça me fait plaisir de voir que ce concept vous plaît. Un petit concept bidon, hein, on n'a rien inventé de fou. Regardez, là, ils vous disent tous bonjour, je l'avais dit. On le lance de manière un petit peu austère, je ne suis pas chez moi. Alors certes, il y a un fond vert, certains diront « Ouais, Zach, pourquoi tu veux pas de fond vert ?» On s'en bat les couilles, ok. Je suis en direct de Webedia à Paris, je suis là pour mes émissions. Zach en libre avec Nikov, Zach en libre avec Lowan, hors-jeu et ainsi de suite. Mais malgré tout, je suis aussi là, du coup, pour faire ce concours de blagues que je n'avais pas pu faire pendant ce week-end et vous ouvrir des subs. Le concept est toujours aussi simple. Vous venez sur Discord, je vous fais passer en vocal avec moi, vous dites une blague, si c'est drôle je vous offre le sub, si c'est pas drôle vous cassez votre mère la pute le plus loin possible, mais vraiment sous la honte, tu vois, sous la honte du public avec les œufs, les bananes et les huées. Ouh, ah, vous puez la merde. Bon, commençons tranquillement. Oui, quelle est ta blague, monsieur? J'ai une petite blague pour toi. Vas-y. Alors, je te pose une question. Vas-y. Pour un chasseur, quelle est la différence entre un chien et sa femme? Aucune idée. Le prix du collier. Ah non, il est bon, il est bon. Non, il est bon, il est bon, il est bon. Il y a un gars, son pseudo c'est Marwan. Marwan, ça me fait penser à mes cousins blédards. Quand on allait tous les étés au Maroc quand j'étais plus jeune, il y avait les cousins de là-bas et ils étaient très très drôles, vraiment très vanneurs. Je sais pas s'il y en a qui voient de quoi je veux parler, qui ont de la famille au bled, mais souvent ils sont très très drôles et Marwan, ça me rappelle ça. Donc j'ai envie de voir s'il va perpétuer cette tradition. Bonsoir monsieur, comment vas-tu? Bonsoir. Ça va quoi, beau gosse? Ça va et toi, Zach? Eh ben écoute, ça va super frérot, je t'ai fait ta promotion avant même qu'on t'entende une seconde, donc j'espère que tu vas pas me décevoir. Ah, tu me mets la pression là, tu me mets la pression. Ah mais non, fais ta blague, détends, de toute façon ça passe ou ça casse. Quelle est l'année préférée des beaufs? Je sais pas. 1664. À la voir. Allô? Oh non, il m'a déçu. Il m'a déçu. Ah, bonsoir. Bien ou quoi? Ça va et toi, beau gosse? Bah écoute, ça va super. Quelle est ta blague? Bah écoute, qu'est-ce qu'une arabe avec une cacahuète dans le cul? Je sais pas. La femme à Rachid. Ah, j'ai mis une demi-seconde de trop à la comprendre, mais la femme à Rachid. Ah, faut la saisir. Je l'avais pas tout de suite. Franchement, je l'avais pas tout de suite. Allez, pseudo, c'est gagné. Bonsoir, monsieur. Ouais, allô, bonsoir. Ça va ou quoi? Ouais, tranquille, vas-y, bah attends, juste petite dédicace à la milice avant de faire la blague. Voilà. Ok, au moins c'est fait. Où est-ce que Ribéry a pris le bus pour la dernière fois? Je sais pas. Dans la gueule. C'est comme Lady Diana. C'est, bon comme blague, c'est comme la blague. C'est comme la blague. Quand je l'avais entendu, j'avais un peu le seum, mais. C'est comme la blague Lady Diana du numéro 2, monsieur. Ce sera pas suffisant pour gagner, mais elle est pas naze. Elle est pas naze, mais ce sera pas suffisant pour gagner, à mon sens. Vas-y, bonne soirée. Vas-y, bonne soirée, frérot. Qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer à une meuf que tu ramènes chez toi? Je sais pas. Le cadavre de la précédente. Non, mais. Ah, mais ça va pas, malade mental, monsieur. Ah, j'étais dans une bonne humeur, mais ça va pas. Mais vous allez pas bien. Mais elle est où la blague là? Vous allez pas bien. Refusez, monsieur. En tout cas, tu fais du bon taf, continue. Eh ben merci. Bonne soirée. Allô, ouais. Ça va, comme gosse? Ça va tranquillement. Il y a Mohamed et Karim sur un immeuble. Qui saute en premier? Je sais pas. L'immeuble. Comment je suis sans plaie? Ah, ils sont tous mes frères rebus, ça. Bonsoir. Ouais, allô. Comment on appelle un jeudi vraiment nul? Je sais pas. Une taille jeudi. Bon, bah, je suis finito. Mais il est sérieux. Un tra-jeudi, mais il est sérieux. Bonsoir. Quel est le point commun entre un dépressif et un membre du KKK? Je sais pas. Les deux passent des nuits blanches à broyer du noir.
Non, elle est pas mal, elle est drôle. Technique. Tu sais que j'ai un métier, j'ai un travail. Mon travail, c'est ça. On n'est pas censé venir atteindre à... Hein ? Me mettre dans la merde. Pourquoi tu veux me mettre pas bien ? Bonsoir monsieur ! Allô, ça va ? Ça va ou quoi ? Ça va super bien. Je vais te faire une petite blague. Est-ce que tu connais le parfum du pur hasard ? Non. Eh bah, tu mets ton doigt dans mon cul et puis ça sent bon, bah c'est le pur hasard. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Alors? Mais monsieur, vous êtes bizarre! Il n'y a pas le début d'un sens! Allez, c'est un pseudo, monsieur, vas-y, je valide. Bonsoir, monsieur! Bonjour! Bonjour, monsieur! Y'a quelqu'un là-dedans? Ah, il y a quelqu'un une fois. Ah, bonjour, monsieur. J'ai une petite blague. C'est une blague pédophile, en somme. Oh, putain, encore. Oui, désolé, je m'excuse. En fait, c'est un pédophile qui est avare. Il fait, hé, oh, 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 vas-y doucement avec les bonbons, hein. C'était cool. Allez, c'est bon, au revoir. Ah, j'ai mis du temps à comprendre. Mais tu es d'accord. Bonsoir, ça va ? Ça va quoi, Lyonnais ? Ouais, ça va super. Bon, une petite courte. Qu'est-ce que c'est une prostituée qui fait un régime ? Je sais pas. Une grosse pute. Ok, vas-y. À Lyon. Mais on est où, là ? Et il est parti ! Mais ça va pas ! Mais c'est quoi ces mecs qui passent depuis tout à l'heure? C'est quoi une prostituée qui fait un régime, une grosse pute? Mais on est où? Bonsoir monsieur! Salut! Ça va quoi mec? Ça va toi? Ouais, ça va super! Ça va, je tiens d'abord à te dire qu'il y a au moins 4 ans, je t'ai vu à Aix-en-Provence, tu buvais un verre, on a fait une photo ensemble. Eh bah écoute, je m'en rappelle pas, mais t'as l'air d'avoir passé un bon moment, donc je suis très content. C'était le plus beau jour de ma vie. Bon, passons aux choses sérieuses. Allons-y. Quel est le dernier tableau que Lady Diana a vu? Je sais pas. Son gros tableau de bord. Non mais laissez-la! Mais laissez-la tranquille! Mais laissez-la tranquille! Pourquoi sur les concours de blagues, elle repose jamais en paix? Alors autant tout à l'heure, la variante là, j'avais dit c'est pas super original, autant celle-là, j'avoue, j'ai rigolé, je peux pas te dire que t'as pas gagné. Allez, un pseudo, monsieur. Bonsoir, monsieur! Bonsoir, Zach. C'est pour faire une petite blague là. Ouais. Quel est le point commun entre un motard et célibataire et sa moto? Je sais pas. Ils dorment tous les deux sur la béquille. Oh non, rigole pas comme ça, c'est malaisant. Salam alaikum. Il avait un coach derrière. Il est parti lui-même. Bonsoir monsieur. Allô. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, vas-y. Fonce. Bon, ma blague, elle est très très courte. Vas-y. C'est l'histoire d'un nain, il est tellement petit que sa tête est plus des pieds. Mais pourquoi t'as niqué la vibe, frérot? Yes. Elle est calamiteuse, la vanne! C'est un nom! Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir, Zach. Ça va ou quoi? Un plaisir, ça va très très bien. Deux hiboux homosexuels sont sur une branche. Ouh, ouh, dit le premier. Dans le cul, lui répond le deuxième. Elle est validée? Comment tu veux que je te dise non? Ça fait une semaine que je la révise avec des potes, je leur ai dit que je vais passer. Je pense peut-être que t'es la plus drôle pour l'instant, jeune challenge. Allez, un pseudo, monsieur. Wesh? Wesh? Eh ben, quel est le point commun entre un prof et un pédophile? Je sais pas. Ils aiment tous les deux le petit Robert. Ok, c'était tout pour moi. Salut, mec. Allez, salut, au revoir. Bonsoir, monsieur. Déjà, je voulais faire une blague tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui me l'a prise. C'était la blague de Ribéry. Ok. Mais bon, j'en ai une nouvelle. Vas-y. T'as deux mouettes, elles sont sur une falaise et il y a un sandwich à côté. Et du coup, il y en a une, elle lui dit, on peut faire mouette-mouette? Oh, non, frère. Allez, salut. Oh, frère, tu ruines, gros. Oh non, on peut faire mouite, mais putain. Il a quitté de honte.
T'as bien fait, t'as bien fait. Hein, on va arrêter les conneries, la mouette mouette, putain. La mouette mouette. Il m'a foutu en rogne. Monsieur El Salvador. Allô, ça ouais, va ça va, bien, tranquille. Ouais, tranquille, vous êtes le meilleur. Hein. Ah bah, merci, je suis tout seul, là. C'est vite fait, hein. Vas-y, fonce. Mais pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Mais pourquoi il est parti? Bonsoir. Allô. Oui. Ça va quoi, mec? Ça va et toi? Ouais, ça va super, gros. Quelle est ta blague? Comment un aveugle sait quand il fait l'amour que c'est une femme? Je sais pas. Ah, il le sait pas, il le sent. Ouais. Bon, c'était cool, hein. Bonne soirée, hein. Ouais, ciao. Bonsoir, monsieur. Salut, mec. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bon, bah écoute, je suis tout oui. Il faut relever le niveau. Vas-y, j'essaye. Alors, pourquoi le petit Grégory est jamais en retard? Je sais pas. Parce qu'il est tout le temps dans les temps. Oh, t'es un bâtard. Oh, t'es un de ces bâtards, elle est glauque. Ah non, gros, oh, je te jure, t'es un de ces bâtards. Tu sais que, bah, gros, tu sais que je m'en veux de la trouver bien. Mais par contre, tu t'étouffes. Je suis mort, le mec. Bon, vous savez quoi? Pour l'audace. Pour l'audace, monsieur, un pseudo. Ah, merci, mec. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Haddad. Comment allez-vous? Ça va super, et vous? Ça va, nickel. Bon, je m'excuse d'avance, hein, mais bon. Vas-y. C'est quoi Omar Sy qui saute d'un avion? Je sais pas. Omar Sy qui saute d'un avion. La tombée de la nuit. On l'a déjà fait. Oh non, t'es sérieux? Raté! Oh merde, putain! Vas-y, je suis dégueu. L'Orangina, monsieur. Ok. Salut, mec. Bien. Ça va et toi? Ouais, ça va super. Est-ce que pour celle-là, tu peux enlever ta casquette? C'est fait. Nickel. Qu'est-ce que tu dis s'il y a le feu chez toi? Je sais pas. Chauffe qui peut. Bonsoir. Oh, j'ai fait l'effort avec un crâne même pas rasé. En plus, je m'attendais à un truc de ouf, monsieur. Pas un beat comme ça. Désolé. C'est pas grave, bonne soirée. Bonsoir, monsieur. Oh, tranquille, tranquille, et toi? Ah, ouais, putain. Ça va super, hein. Je crois que t'es pas prêt pour ma blague. Bah, vas-y, fonce, hein. C'est un gitan, tu vois, il habite dans une caravane. Ce gitan-là, tu vois, il fait rentrer des putes dans sa caravane. Il y a une première pute, elle va rentrer dans la caravane, tu vois. Elle va voir qu'il y a un fruit et elle va le goûter, tu vois. Si elle trouve pas le nom du fruit, bah, il la tue. Et elle dit, ah, c'est une pomme. Il dit, bien joué, ma pute. Elle se barre, tu vois. Une deuxième, elle vient, et elle voit, il y a un truc rouge sur la table, tu vois. Elle le prend, elle goûte. C'est une fraise. Il dit, bien joué, ma pute. Et une troisième, elle vient, elle rentre. Et elle voit un gros truc sur la table, tu vois. Elle goûte, elle essaie de couper et tout. Et ça s'appelle comment le nom du fruit, comment j'en étais, frère? J'ai oublié le. C'est un gros fruit comme ça, tu vois. Genre, c'est vert à l'extérieur, à l'intérieur, c'est rouge. La pastèque? Bien joué, ma pute. Ok. Ok. Fallait pas le prendre mal. Fallait pas le prendre mal. Non, mais je le prends pas mal. Je le prends pas mal. Je le prends pas mal. Je suis bon joueur. Je la prends pas mal. Non, je m'y attendais pas du tout. Allez, c'est gagné, monsieur. C'est gagné. C'était super mal parti. Je tiens à te le dire. Bonsoir, monsieur. Wesh. Bien. Quel est le dernier tube de Grégory Le Marchal? Je sais pas. Celui qu'il avait dans le nez. Bonsoir, monsieur. Allô. Ça va? Ça va, et toi? Bah, écoute, ça va super, hein. Ok, t'es prêt? Ouais, je suis totalement prêt. Est-ce que tu sais pourquoi c'est si dur de larguer une japonaise? Non. Parce qu'il faut larguer deux bombes pour la quitter. Oh, mais vous êtes des fous, sérieux. Mais vous êtes des baisers. Je l'ai pas trouvé drôle, mais vous êtes des baisers. Vous êtes des baisers. Vous êtes des baisers. Bonsoir, monsieur. Ouais, allô? Bien. Ça va, tranquille, et toi? Eh ben, ça va super, mec. Quelle est ta blague? À quoi on reconnaît une lettre envoyée par un lépreux? Je sais pas. Il y a la langue collée au timbre. Facile. Elle est facile. Tu sais que j'ai dit je sais pas, mais j'étais à deux doigts de te dire ça. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Bonsoir, monsieur. Quelle est la différence entre un intello et un homosexuel? Je sais pas. L'intello, il a le petit Larousse dans la tête, et l'homosexuel, il a le grand Robert dans le cul. Allez, bonne soirée. Pas foutre la paix. L'autre, il a déjà fait la blague du petit Robert avec les pédophiles. Il l'a déjà fait.
Bonsoir monsieur. Yo, alors, bon allez, rapide ma blague. Comment un parachutiste aveugle sait-il qui va toucher le sol? Je sais pas. Il y a du mou dans la laisse du chien. Ciao. Mais il est parti en plus, hein. Il est parti. Il est parti. J'ai même pas eu le temps de faire dire quoi que ce soit. Il est parti. J'aurais validé. J'aurais validé. Dommage.